Son point fort, c'est son physique. Quand on le voit s'entraîner, c'est autre chose. Florent Manoudou, ex-nageur, ex-handballeur, retour à la natation. J'ai atteint un stade de ma carrière où je me connais vraiment énormément. Il a envie d'avoir une vision novatrice, c'est peut-être pour ça aussi qu'il veut des coachs jeunes. Tout au long de ma carrière, j'ai eu l'impression que les jeunes entraîneurs étaient meilleurs que les entraîneurs plus anciens parce que c'était des entraîneurs qui étaient plus motivés. J'avais envie de tenter l'expérience avec deux amis. Le fait d'avoir cette amitié-là, ça remet un peu les deux sur le même pied d'égalité et ça lui permet de lui de prendre une posture où voilà, il a la main sur ce qu'il veut faire. Quand tes coachs te font confiance, tu te sens plus fort en fait. Ce trio-là fonctionne très bien. L'équilibre, il est tout trouvé parce que c'est quelque chose qu'on fait ensemble et naturellement. Je sais que Flo, je peux tout lui dire, il sait qu'il peut tout me dire. Je trouve ça génial justement d'avoir vraiment une vraie discussion. Et c'est des amis, donc quand je viens à la piscine, je suis content de les voir aussi. Et ça, je pense que c'est important. On performe mieux dans son boulot, que ce soit de la natation ou autre chose, si on prend du plaisir. Donc au final, je m'entraîne plus et je suis plus volontaire quand je suis dans un état d'esprit comme ça. Il a cette capacité à en fait rigoler pendant 5 minutes et en une seconde switcher et être capable d'être ultra concentré. On a réussi à avoir, grâce à l'ANS, ce banc qui lui permet de faire du débloqué couché dans des conditions idéales. C'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un que tu connais et que tu apprécies, voilà, ça va pas. Je vais pas le brosser dans le sens du poil, je vais le stimuler. Parce que ça reste un Manoudou, il faut aller le chercher, il faut aller le piquer, il faut aller le stimuler, il faut le mettre en difficulté pour qu'il se transcende. Et c'est là où il est le meilleur. Donc. Je me compare à mes temps que je faisais quand j'étais plus jeune et quand on est en période d'entraînement, c'est plus compliqué quand on est plus vieux. Le but ultime, c'est la fin de carrière à Paris. C'est lui qui a les clés, c'est lui qui sera derrière le plot, c'est lui qui va gagner. On est plus là pour l'accompagner en fait. J'ai pas envie de mal faire et qu'on se dise bah c'est parce que les coachs ils sont pas bons. Je pense que c'est des jeunes coachs qui ont du talent. J'aimerais vraiment briller pour eux, pour valider et qu'ils prennent du plaisir tout au long des deux ans. C'est eux qui me font voler, que ce soit en dehors en tant qu'ami ou dans le bassin en tant qu'entraîneur.